se retrouve aujourd'hui pour parler des animaux. On peut ne pas les aimer, bien sûr, mais on doit toujours les respecter parce que ce sont des êtres vivants. Moi, j'aime beaucoup les animaux. J'ai besoin de leur contact, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de leur tendresse, j'ai besoin de leur présence. J'ai toujours eu des chiens. Maintenant, depuis des années, ce sont des chiens que je prends à la SPA et pas les plus beaux, ce dont personne probablement ne voudrait. Parce que ensuite, c'est un lien formidable. Mais je crois que la ville, dans la ville, les animaux ont leur place. Et il faut qu'on l'organise. Il y a parfois peut-être, dans certains morceaux de parc, de grands parcs, on peut peut-être, à certaines heures, leur laisser un peu de liberté. Il faut organiser tout ça. Puis il faut aussi faire des fichiers pour la maltraitance, de façon à ce qu'on lutte contre elle. On peut aussi aider les plus faibles d'entre nous, les retraités ou les autres qui ont besoin d'un animal de compagnie pour les aider dans le toilettage, dans les soins. Là, je pense qu'on peut faire des choses dans ce domaine. On peut stériliser aussi les animaux des SDF pour éviter ces reproductions importantes. Lutter contre les reproductions illégales, verbaliser les combats de chiens pour les interdire. Aider les associations qui œuvrent dans ce domaine. Il y a aussi l'absence d'utilisation de tout produit qui provient des laboratoires qui utilisent les animaux. Il faut que cette protection s'exerce du haut en bas de l'échelle. L'animal, dans la ville, c'est aussi une forme humaine de relation. Et je pense qu'une ville comme Grenoble s'honore et s'honorerait à garantir cette place, à l'organiser et à faire qu'on puisse vivre ensemble avec la présence des animaux. Demain, avec la police montée, c'est-à-dire les chevaux dans les parcs et jardins, ce sera aussi une présence particulière des animaux et un lien spécial qui, en plus, ravit très souvent les enfants. Moi, je pense qu'une ville s'honore, effectivement, à avoir des animaux à leur place, protégés et respectés. L'animal dans la ville, c'est aussi des devoirs pour les propriétaires d'animaux. Devoir pour la propreté à l'égard de la ville et devoir de sécurité à l'égard des familles et des enfants qui peuvent être craintives. C'est cette ville de tous, pour tous, que nous aimons et qu'il faut construire avec une présence des animaux dans la ville. Merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux et puis bonnes vacances à tous si vous en avez. Merci, à la semaine prochaine.